Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui ma vidéo des messages des arbres de Turquie. Donc là vous voyez on a le tronc d'un pin et je vais vous montrer le paysage qu'il y a autour. Parce que c'est magnifique, c'est dommage de ne pas en faire profiter. Nous sommes à Fethiye au sud-ouest de la Turquie, donc bord de mer, garrigue, pin, île. Au fond on a la baie de Fethiye, vous voyez les montagnes. Et derrière les brumes on a des montagnes avec des sommets enneigés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message d'un pin. Alors là, c'est un pin de Turquie. Je vous montre juste un petit détail parce que ça va être important dans la vidéo que je vais vous montrer. Vous voyez, c'est cette écorce faite de plein de couches, comme plein de lamelles, comme des feuilles qui se succèdent. C'est quelque chose qui va avoir une importance dans le message que je vais vous donner. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer moi. En fait, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'a dit en fait c'est dommage, vous êtes passé trop vite sur l'image de l'arbre. Moi je comprends, j'en ai parlé à Perrine, ma femme, et elle m'a dit, elle est clairvoyante, elle m'a dit oui, en plus les gens ils pourront se connecter à l'énergie de l'arbre, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, donc vous allez voir l'arbre, pas moi. Je pose le téléphone par terre et je vais tout vous dire. Voilà. Donc il s'agit en fait d'un message qui m'a été délivré en septembre à Split en Croatie. On était dans un camping et il y avait des magnifiques pins. Je ne suis pas botaniste, je ne connais pas trop quel pin. Je pense que c'est un pin maritime et si, je pense que c'est un pin de Turquie. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le plus important. En fait, il m'avait été dit à la fin de ce message de le transmettre et je ne l'avais pas fait. En fait, je m'étais dit je vais le garder pour quand je ferai une grande vidéo qui sera certainement payante. Comme si je gardais un petit trésor pour le délivrer plus tard. Et en fait, j'ai compris il y a quelques jours en discutant avec Perrine que, en fait, ce n'était pas la démarche qu'il fallait. En fait, si on me demandait de délivrer quelque chose, il fallait que je le délivre et que je ne devais pas être dans une énergie de « je retiens pour plus tard » parce que, en fait, c'est un manque de confiance en les arbres et en ce que je peux obtenir des arbres en termes d'informations, de messages. En fait, plus je me mets en contact avec les arbres, plus je me rends compte qu'en fait, ça peut aller loin. Donc si je retiens, ben, je ne laisse pas la place pour le nouveau et pour de nouveaux horizons. Donc voici le message. Donc je me mettais au pied de l'arbre. Hein, je ne touchais pas dans cette situation-là, ça dépend en fait. Et j'étais au pied de l'arbre et je me connecte à lui. Et ce qu'il me montre, c'est son tronc avec ses écorces. Qui se détache en fait, qui s'écarte du tronc et qui se détache. Et en fait, pour laisser apparaître, non pas un tronc classique, mais un tronc fait d'une substance un peu comme du verre, transparent, avec un peu de l'iridescence, mais c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui bouge, il y a un mouvement dedans. Et le mouvement, il est à la fois dans le tronc, c'est comme si le tronc ondoyait un petit peu, tout en restant bien droit, mais en même temps, il ondoie, il y a un mouvement, il y a une vie. Et ce mouvement, on le retrouve jusque dans les branches, dans les feuilles. En fait, ce qui émane de cette vision-là, c'est vraiment de la vie joyeuse. Une danse, en fait, c'est une vraie danse. En fait. Jusqu'au bout des arbres, jusqu'au bout des branches. Et cette réalité transparente, iridescente, elle va dans les racines qui sont enfoncées dans la terre. Il m'est montré l'arbre, et je me vois à côté. Mais je me vois aussi de la même nature que l'arbre, c'est-à-dire, pareil, transparent, iridescent, un peu comme du verre. Et je comprends qu'en fait, là, en fait, ce qui me montre, c'est que nous sommes de même nature. Fondamentalement, les hommes, les arbres, nous sommes de la même nature. Il m'est donné de voir, après, que l'arbre est dans la terre. Et la terre, en tant que planète, elle aussi est une immense boule de la même nature que l'arbre, que moi. Nous sommes tous de la même nature. On va dire une nature fondamentale, profonde. Malgré les apparences, nous sommes tous de la même nature. Pour moi, c'est un message super profond là, parce que pour moi, c'est ce qui explique qu'on peut rentrer en relation avec tout ce qu'il y a sur Terre. Les énergies de la Terre, des animaux, il y en a qui sont avec les animaux. Donc, moi, c'est plus les arbres, en tout cas pour l'instant. Donc ça, c'est quelque chose qui m'émeut. Après, l'arbre me montre, moi, comme il me voit. En fait, il me voit comme un être gesticulant, qui bouge beaucoup, qui remue dans tous les sens.
Et bon, c'est un message pour moi, mais je pense qu'il y a une autre dimension, surtout que l'image qui suivra, ça que je verrai l'arbre qui est dans sa temporalité, dans son rythme, un rythme très lent, d'accord? Multiséculaire. Et en fait, il voit les humains comme des fourmis qui gesticulent entre les troncs des arbres, vous savez. Toutes les personnes qui viennent dans ce camping, c'était dans un camping, je ne sais pas si je l'ai dit, gesticulent. Ils courent dans tous les sens, tout le temps. Et vraiment un trait très marquant qui m'est montré. Donc toutes les personnes sont de la même nature transparente, énergétique, mais ont toute la tête baissée vers le sol. Je ressens deux choses dans cette tête penchée vers le sol. C'est centré sur soi, très dans sa tête, dans son mental, dans ses préoccupations quotidiennes. On va dire matériel, etc. Ce qui fait qu'ils ne se relèvent pas, ils ne relèvent pas la tête pour voir la réelle nature de leur être. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai des frissons en parlant. C'est comme si l'arbre m'indiquait qu'il fallait que les hommes relèvent leur tête et regardent leur vraie nature et se détachent des lourdeurs du matériel, etc. Je vous invite à aller approfondir certaines choses que je vais vous dire dans les vidéos de ma femme Perrine, qui fait des vidéos sur, par exemple, la tyrannie de la positivité, et qui parle un petit peu de nos côtés ombre et lumière, et qui va vraiment loin dans tout ça. Donc, ça va vraiment en complément de ce que je dis, et ça va beaucoup plus loin avec elle, son angle à elle. Donc voilà, je mettrai un lien en bas de la vidéo. Donc, il y a ce côté de lourdeur chez l'homme qui ignore finalement sa nature profonde et certainement sa grandeur. Cette vision, parce que j'avais l'intention depuis un petit moment de vous la partager, elle s'est complétée à deux visions qui ont suivi ces derniers jours. Donc, les deux visions ont eu lieu au pied de cet arbre-là. Et la première vision, c'était cette fameuse écorce. Cette écorce qui s'en va, qui se détache de la première vision, on me la montre là, en fait, comme autant de couches qui sont autant d'expériences passées. Hein. Il faut savoir que l'écorce, comme le tronc d'arbre à l'intérieur, sont des tissus morts qui ont servi à un moment, qui ont eu leur utilité, qui ont été vivants et que maintenant c'est du passé. Ils sont morts et ils vont tomber. Ils vont disparaître, ils vont se décomposer. Tout ce qui reste vivant, c'est cette fine couche qui est entre l'écorce et le tronc d'arbre, de cellules vivantes, une qui construit l'écorce vers l'extérieur et une couche de cellules qui construit le tronc vers l'intérieur. C'est la seule chose qui est ici et maintenant vivante. Le reste, c'est du passé. Et en fait, l'invitation qui m'est montrée dans ce message, c'est que nous sommes invités à enlever chacune de ces couches d'écorce pour nous, nous les hommes, d'accord? Une après l'autre, aller voir les expériences, aller visiter nos expériences, nos habitudes et ce qui peuvent être aussi des comment dire quelque chose qui emprisonne notre véritable être, notre véritable potentiel. Dans cette vision, il m'a montré aussi le feu comme le principe qui va éclairer, mais aussi purifier, nettoyer. C'est-à-dire que je vois comme si c'était cet arbre-là qui était pris dans un incendie, mais pas un incendie qui brûle, qui détruit, qui tue, mais quelque chose qui va brûler ce qui est mort, qui va purifier ce qui est mort. Il va le transmuter en fait. Voilà, on passe carrément du matériel au gazeux, on va dire, quelque chose de beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger. Et derrière, on me montre l'Australie. On me montre les forêts d'Australie, et ça, c'est une réalité que les forêts d'Australie, en tout cas dans certains coins, je pense plus dans l'Outback, j'en sais rien en fait, qui sont en fait dépendantes du feu pour se régénérer. Beaucoup de plantes dans les forêts d'Australie dépendent du feu pour pouvoir libérer leurs graines, se régénérer, etc. Et derrière ça, on me montre un peu la symbolique de l'Australie comme nouveau continent. C'est-à-dire que ce passage au feu, se débarrasser de toutes ces couches-là, à l'épreuve du feu, c'est ouvrir sur un nouveau continent, un nouveau monde. Pour moi, c'est une invitation à la fois personnelle, mais c'est une invitation plus globale, à chacun d'en faire ce qu'il veut.
Enfin, la dernière vision qui était très courte, qui m'est arrivée il y a 2 jours, toujours au pied de cet arbre-là, c'était celle des écorces. Des écorces qui sont prises dans un tourbillon, dans un grand tourbillon devant, comme un typhon, voilà, je sais pas vraiment quel est le bon terme, certains diront un vortex, mais qui fait tournoyer ces écorces, mais contrairement à la réalité, qu'ils n'en voient pas à l'extérieur. En fait, elles sont toutes amenées à se déposer en bas du tourbillon et descendre à la terre. Il y a vraiment l'idée que ça descend à la terre, comme, voilà, c'est pas très poétique, hein, mais comme une chasse d'eau, qui envoie tout à la terre, qui envoie tout vers le bas, et ouf, ça part dans le sol, dans la terre, et ça vit une autre vie. Et ce n'est plus notre problème, c'est plus notre histoire. Voilà. Donc je pense que là, c'est une histoire de... On s'en débarrasse, on prend le temps de le regarder, de l'aérer, de le mettre au soleil, à l'air, etc. Et puis, ouf, peut-être qu'une fois que c'est conscientisé, je ne sais pas exactement le processus, hein, après, à chacun de lire ce qu'il veut lire. Eh ben, ça ne nous concerne plus, ça ne nous regarde plus, ça part à la terre. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si vous le désirez et à partager, bien évidemment. Écoutez, je vous souhaite une magnifique journée pour nous sous le soleil. Si je comprends bien, en France, c'est pas trop mal non plus. À très bientôt pour de nouveaux messages des arbres.